bookstore on State Street, between the health club and the cafeteria. 6. Excuse me, is there a post office in this neighborhood? Yes, there's a post office on State Street, across from the train station. Do exercises 1 through 6. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. 1. Excuse me, is there a drugstore in this neighborhood? Yes, there's a drugstore on Main Street, across from the church. 2. Excuse me, is there a clinic in this neighborhood? Yes, there's a clinic on Main Street, between the bank and the barber shop. 3. Excuse me, is there a department store in this neighborhood? Yes, there's a department store on Central Avenue, around the corner from the police station. 4. Excuse me, is there a hair salon in this neighborhood? Yes, there's a hair salon on Central Avenue, next to the bakery. 5. Excuse me, is there a bookstore in this neighborhood? Yes, there's a bookstore on State Street, between the health club and the cafeteria. Hello, class. How are you doing? Excuse me. Everybody's fine? Is there a post office in this neighborhood? Okay, let's share. Bookstore on State Street. Let's share glass. Yeah, let's share. Everybody's fine? Okay. All right. I say hello to everybody. Okay. Thanks for following Molly Wench on the other side. Merci le fait que déjà branché pour suivre bel coup anglais ça qui fait avec un pile bel détail, bien détaillé qui facilite à comprendre sans aucun problème. Okay. Let me say hello to Darlene Basile.
Timel and Yolan, thank you. Thank you, because we are here to help me to share the life, okay? Help me to grow the family, because we need more people, okay, to do this job. Thank you very much. Thanks for sending heart to me. Thanks for sending thumbs up. Thank you. Okay, today we have a special class where we're gonna talk about there is pendant ou ap touche un doigt, hein? There is, le nou ap pose question ki gen rapport avec un doigt, ok? There is, nou mette signification ki signifie il y a. Ok, class? Nou pral parler de yo bien détaillé pou ou, ok? Immédiatement nou fin détaillé, nou faut comprendre, nou pral faire yo exercice ensemble ki ap facilite ou comprendre très 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 bien et there is ou bien they are en anglais. Ok, class? All right, let's share. On nous continue à partager bel travail ça mes amis. On nous continue à partager, OK? OK, class, I am doing the same. I'm trying to share the live. OK, on partager mes amis pour arriver sur plus qu'une soixantaine de monde. Parce que yon bel travail comme ça qui vraiment important, hein, en poussel, ok? J'aime tout là, nous allons parler de there is and they are, qui signifie il y a, mes significations sous côté. Pendant que nous avons fait exercice pendant la point there is, there are, qui a rapport avec un doigt ça, par exemple, ok? L'MD gas station, post office, library, supermarket, video store, movie theater, police station, ok? Ça yo c'est un doigt yo, ok? Nous allons utiliser there is ou bien there are pour nous faire question qui a rapport avec un doigt ça yo en anglais, ok? Pendant nous allons répondre pour nous dire mes côtés un doigt situé, n'a pas pour un next to qui signifie près de, across from qui signifie en face de, between qui signifie entre ou bien au milieu de, around the corner from qui signifie au coin de ou aux alentours de, aux environs de, ok? Nous prenons bien détaillé le bas où, ok? Pendant la demande de ou, aidez-nous pousser, ok? Parce que, pourquoi que cher vrai, hein? Thank you pour Tima qui déjà cher, qui déjà partagé bel travail ça, Batoski, ok? Thank you very much. Okay, let's share, class. Invite more people. Invite more people to follow the job. It's a very good job. Okay, class. Let's go. Okay, class. Je dis, on a parlé de there is, qui signifie il y a. Nous allons essayer de faire des petites questions qui ont rapport avec un doigt pendant que nous avons touché there is en anglais. Comme on a touché, class, c'est bien nous te montrer. What month by you mon adresse? Si mon nom du par exemple, where is the drug? Where is the drug store? Par exemple, mon du class, where is the drug store? Est-ce là? Limando qui côté pharmacie? Where is the drug store? Est-ce là? Immédiatement du where is the drug store? Ou même moi répond class, what deal it is on? Par exemple. It is on Joel Avenue. Where class? It's an example. It is on Joel Avenue. Lina Avenue Joel. Et so la class. Et bien, it is on. Vous n'avez pas l'utilisé. Yon nan sa yo pou mbay mounan yo référence. Qui pral permettre que li pa perdu nan adresse ke mbali. Et so la. Where is the post of the drugstore? It is on Joel Street, on Joel Avenue, on Avenue Joel, et puis m'a dit, tout près tel bagay, ouais, et puis m'a dit, next to the hotel. Et ça, en anglais, là, m'a tout dit, mon nom, maintenant qui est lié, et puis m'a tout balayé une référence qui a permis d'y aller là-dedans sans aucun problème, ok? You understand?
Est-ce que nous avons une glace? Hein? It is very easy, hein? Est-ce que nous avons comment faire, hein? Est-ce que nous avons comment faire, hein? Est-ce que nous avons comment faire glace? C'est très facile, hein? Ok? C'est très facile, ok? Where is the drugstore? Nous avons des côtés pharmaciens, hein? Et bien, moi, je dis, it is on Joel Avenue, son exemple, ouais. It is on Joel Avenue, l'île Avenue Joel, tout près de l'hôtel là. Est-ce que là, on a une adresse qui est bien détaillée, qui facilite le comprendre très bien. Est-ce que là, Iglesias, hein? Qui facilite le monde comprendre très, très bien, ok? Kounya, nous dis, si nous ne dit, where is the drugstore? Kounya, là, c'est moi de demander le monde. Qui côté drug store là? Est-ce que nous avons glace? Qu'on y a qui ça nous va faire glace? Nous va demander est-ce que il y a une pharmacie dans le quartier? Est-ce que là? Est-ce que il y a une pharmacie dans la zone là? Est-ce que il y a une pharmacie dans l'endroit côté mien? Est-ce que là? Là qui ça nous fait là? Là nous demander qui côté lié? Est-ce que là? Where is the drug store? Qui côté pharmacie aillé? Est-ce que là me dit? It is on Joel Avenue, l'île en Avenue Joel, next to the hotel. Tout près hôtel là. Là, m'baou, information de son mandé maintenant, avec un pile clarté, ok? Thank you, Tinegwa Nofani, hein? Moi, la game, ok? Et c'est la classe. Kounia, là, nous sommes de where? Kounia, qui ça m'a fait la classe? M'a demandé, est-ce que gagne you? Yon par exemple, yon hôtel nan zone ça, ok? On suit bien. Là, on se demande qui côté lié. Kounye an va demander est-ce que yon hôtel nan zone? Et cela, Iglesias, kounye an va l'utiliser there is, qui signifie il y a, ok? Là, nous dit there is. Logue there is, kon sa Iglesias, signifie il y a, ok? Il signifie il y a. Immédiatement, Iglesias, m'a fait question avec elle. Qui ça m'a fait Iglesias pour me faire question avec elle? M'a juste viré. Et cela, hein? Immédiatement, je vais vous dire une question. Ok? Je vais vous dire une question avec there is ou bien they are. Voilà, pour une glace, si je fais une question, je vais dire is there. Est-ce que vous glace qui signifie y a-t-il? Là, je dis there is qui c'est il y a. Is there qui c'est y a-t-il? Ok? Pour une nouvelle faire question. Pour nous demander, est-ce que y a une pharmacie dans la zone? Est-ce que y a un restaurant? Ok? Ça, c'est des bagages qui sont vraiment importants. Lorsque vous avez un pays, même si vous ne parlez pas la langue, ça vous doit connaître bien. Est-ce que là, hein? Ça nous va faire là. On a les classes. Quand on va demander la classe, is there, pas oublier nous tout, there is signifie il y a. Lorsque utilise there is, il y a ça. Là, vous utilisez pour singulier. Est-ce que là, hein? Pour singulier. Kounya, si m'a utilisé pour pluriel, m'a utilisé there are. Ok? There are qui c'est il y a toujours. Mais il y a se traduit paquet de façon en anglais. Il y a traduit paquet de façon en anglais. Ok? Mais là, n'a pas l'autre de there is ou there are. Mais il y a traduit un paquet de façon. Est-ce qu'on a anglais? N'a parlé là de there is pour commander information de yon bagay qui ont besoin sous événement ville. Ok? Kounya m'a dit is there. A, ouais, restaurant, tu bien. Is there a restaurant in this neighborhood? Ok, est-ce que vous mais comment vous avez fait la question pour demander est-ce que vous avez un endroit dans la zone? Non, ouais. Is there a restaurant in this neighborhood? Qu'est-ce que ça me dit là? Dit est-ce qu'il y a un restaurant dans le quartier? Est-ce que là en anglais? Is there a restaurant in this neighborhood? Est-ce qu'il y a un restaurant dans le quartier? Est-ce que là? Qu'on a devant ça en clair, si ça me fait là, m'a dit excuse me. Ouais glass, ouais ça me fait là, me dit excuse me. Me dit excusez-moi. Is there a restaurant in this neighborhood? Dis, excusez-moi. Est-ce que y a un restaurant dans la zone, non, s'il vous plaît? Ouais. Excuse me. Is there, okay? Ouais, excuse me. Is there a restaurant in this neighborhood? Est-ce que là, Iglesias? Kounya, après ça, là, m'ka dit, please. Est-ce que, ouais?
Is there a restaurant in this neighborhood, please? Est-ce qu'il y a un restaurant dans la zone, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une glace? Hein? Ok? Qui ça me fait glace? Moi, je par exemple, où il y a un pays où il y a quelqu'un qui parle anglais. Est-ce qu'on a un? Et bien, exemple, par exemple, vous avez besoin de bagno, vous avez besoin de restaurant, est-ce qu'on a une glace? Vous avez besoin de l'hôpital, vous avez besoin de cinéma, ok? Alright? Premier bagage, vous faites ça, vous faites glace, vous saluez le monde, ok? Vous saluez le. Vous pouvez dire good morning, sir. Good afternoon, miss, ou bien mrs. Est-ce qu'on a une glace? Et vous dites, excusez-moi, is there a restaurant in this neighborhood? Est-ce que vous avez un restaurant dans le quartier? Est-ce qu'on a une glace? Kounia, qui ça moun n'a pas répondu aux glaces? La du, yes, there is. Yes, there is. Qui ça dou la glace? Yes, there is. Lizou, oui, gagne. Ok? Est-ce qu'on a une? Immédiatement, du, yes, there is. Ouais, li ka kapé là. Et puis, ou di lou même, sou al kapé du, yes, there is. Lizou, oui, gagne. Li pas du côté lié. Qui s'en fait ou fait tes questions ça? Ou dit, where is it? Where is it? Quelle remplace it là? It remplace restaurant que nous avons parlé de lui. Est-ce que nous la glace? Mes amis, fais là, il a dépassé nous. Fais là, il a dépassé mes amis. Hein? Keep it up, brother. Thank you very much, Clivens. Ok? Est-ce que la glace? Yes, there is. Je dis, oui, gagné. Ok? Plus que je dis, oui, gagné. Li pa di m kote liye, ki sa m fè glas? M tou pose nou ti kesyon, m di, where is it? M di, ki kote liye? E so la, eh? Kouy na ki sa l kwa l fè glas? Li pa di m kwe kote liye, where it is on Joel Avenue, next to the hotel. Where, e so la, glas? Excuse me, say, excuse me, monsieur, is there a restaurant in this neighborhood, please? E so la, excuse me, say, is there a restaurant in this neighborhood, please? Dis, excusez, monsieur, est-ce que vous avez un restaurant dans le quartier, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une classe? Comment la répondre, moi? Yes, there is. Est-ce que vous avez? Yes, there is. Li dit, yes, there is. Li pas dit, moi, qui côté lié. Ok? Merci, 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 hein? Mes amis, aidez-moi à faire travail là, en partager, hein? Ou bien là, il faut t'en supposer que t'en as n'importe 100 combien cher, ok? Yes, there is. Li dit, oui, gagné. Puisque elle dit, oui, gagné, li pas qu'on dit, m'a côté lié. Kouna, moi-même, m'a posé l'autre question. M'a dit, where is it? Est-ce que la glace? Where is it? M'a dit, qui côté lié? Kouna, qui ça l'a dit, glace? It is on John Street. Ba yon pot adres, se exemple na ba, so la glas. It is on John Street. Wè, mdi ki bon yon la, li lo John Street. Ebe mdi across from, so la glas, mdi across from the library. So la glas, excuse me, excuse him. Is there a restaurant in this neighborhood, please? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un restaurant dans le quartier, s'il vous plaît? Yes, there is. Ça, c'est mon qui répond là, c'est là, hein? Yes, there is. Il dit, oui, gagné. Et puis, il me dit, where is it, please? Qui compte lié, s'il vous plaît? Et puis, il dit, it is on John Street. Il y a une rue ou bien rue John, across from the library. En face, librairie. Est-ce qu'on a une glace? Est-ce que vous faites ce détail ça? Pas oublier de faire un pile exercice sur lui. Parce que moyen ça, c'est moyen qui permet de parler direct. Est-ce que vous avez une glace? C'est des leçons qui permettent de parler ou adresser avec le monde directement. Est-ce que vous avez une glace? Moi, je vais vous donner un quartier là. Je vais vous dire, est-ce que vous avez une yo par exemple yo marché qui compte qui gagne au marché yo supermarket qui prêt est sur la glace mais qui ça m'a fait glace m'a fait même bagaille là OK madame non la ria qui ça m'a fait OK technique ça aussi vous connaissez yo pas besoin parler anglais net pour connaître yo let's share glass thank you very much OK il y a des gens sérieux ici hein il y a des monde sérieux qui a suivre pour là qui partager hein c'est bien ça OK. Invitez mon nom, venez participer dans des bagailles qui sont utiles, ok? Qui a des bagailles qui sont utiles, on a les classes. Premier bagaille, je me fais glace, je salue mon nom, et c'est là, hein? Pas bien, on a fait un peu d'exercice sous lui, je salue mon nom.
M'ka di glass, excuse me, okay, par exemple. M'ka di good morning, si c'est le matin. M'di good morning, sir. Okay, monsieur, un soleil. Good morning, sir. Ou bien m'di good morning, miss. Est-ce la good morning, missus? OK? Ou bien me dit good morning, miss. Ou bien me dit miss. OK, Gléas? Ou bien immédiatement me poser me dit ça. OK? Good morning, say. Good morning, missus. OK? Me salue mon nom. Et puis me dit excuse me. Ouais? Me dit excusez-moi. Is there a restaurant in this neighborhood, please? Est-ce là, hein? Ça, c'est si m'a demandé est-ce que son restaurant. Un bon exemple, Léas, mais je connais est-ce que y a un hôtel dans le quartier à côté de moi. Est-ce là, hein, Léas? Qui ça me fait? Salut, mon nom d'abord. Good afternoon, say. Good evening, say. Est-ce là, hein, Léas? Excuse me. Excusez-moi. Is there a hotel? Where is there a hotel? A hotel in this neighborhood? Est-ce que y a un hôtel dans le quartier? Est-ce que l'anglais as? Kuna ki sa mon opral din? Yes, there is. We gagne. Where? Yes, there is. We gagne. Kuna ki sa map fèk l'as? Map din, where is it? Ki kote liye? Est-ce que l'anglais? Where is it? Ki kote liye? Kouna pou sa moun nan pa di m glas, si pal bom adres liye ya. Si l senti m ka perdi nan adres la, li tou bon mwen yon referans. Eso la en glas. Li tou bon mwen yon referans ki a permet mwen jwenn kote m bezwen ya. Pi fasil. Eso la en, nou pal pran lot ekzanpl. Nou pral pran yon lot ekzanpl ya, paske m vle konprann ni byen. Se pou m ap fèl, m pa prese, ok? Pi tou konprann yon ti kal bagay. Ken fo paket bagay ou pa kompran. Eso la glas. Ok, très bien, très bien. Let's share, let's share. Thank you very much. Ok, an gade glas. Ok. Kouna, me sa map fe glas. Premièrement, mka ankoutre moun nan glas. Ndil ki sa, premièrement, moun salye lè. Abliye ou kone koukoun tout salutasyon deja paske n'fè lè. Mka di moun nan good morning. Eso la glas. Good morning, say. Ouais, Gléas. Good morning, say. Dis bonjour, monsieur. Excuse me. Ouais, Gléas. Regardez bien. Excuse me. Ouais. Dis excusez-moi. Dis salut, salut, monsieur. Dis excusez-moi. Est-ce que gagne? Ouais, Gléas. Vous me dites est-ce que gagne? Qui ça me fait? Is there? Abli elle say there is. Le m'a fait question, vu demande is there, qui c'est y a-t-il? Ouais. Is there a hotel? Ouais, Gléas. Is there a hotel in this neighborhood? Est-ce que ouais, Gléas? Good morning, say. Dis bonjour, monsieur. Excuse me. Well, non seulement fin saluer, explique moi excuser. Est-ce que l'anglais pour faire plus cher ben encore pour montrer mon honte ou tellement sage ou c'est yo wise person. Est-ce que là hein? Pour montrer ou c'est yo wise person ou c'est yo monde qui sage ou possède ça le wisdom class. Ou possède ça le sagesse. Do you understand? Vous dit good morning say. Excuse me, excusez-moi, okay? Is there a hotel in this neighborhood, please? Est-ce là, hein? Ou est toute politesse ou utiliser, Claire? Non seulement fin saluer ou excuser ou, et pour dire, est-ce que y a un hôtel dans le quartier là, dans la zone là, s'il vous plaît? Comment vous allez répondre, Claire? Est-ce là, hein? L'ordi wise person, c'est un monde qui sage. L'ordi wisdom, mon n'a pas de la sagesse. Do you understand? Do you understand? Ou un bel petit coup, Claire? C'est ça, hein? Un petit coup qui nous fait très calme, très sweet pour vous. Côté que nous prenons tant de nous expliquons bien, comme si c'est la classe loterie. Vous comprenez? Toujours venir suivre comme ça, chaque jour. Depuis le faire ça, nous amuser nous ensemble, dans langue anglaise, sans trop de difficultés. Ok? Ça nous pas passer vous. On a regardé pour l'anglais. Comment on va répondre, mon nom, hein? Ok? Ou va l'en besoin au hôtel. Comment on va répondre, mon nom? Ou dit, excuse me, is there a hotel in this neighborhood?
Première classe, si pas gagné dans quartier ça, comment mon nom va répondre nous? La do no. Est-ce que la classe? La do no. There is. Est-ce que la classe? No, there is. Let's do no, there is. Li do no pas gagné. Plus qu'elle do no pas gagné, qui ça va dire pour nous même? Va dire thank you. Est-ce que la classe? Ou dit thank you. Est-ce que la hein? Immédiatement, il dit thank you. Kouna, qui ça ou même ou répondre toujours? Pour montrer nous sage toujours. Hein? Ou posséder ça que la sagesse. Hein? Comment ou répondre toujours? Gardez bien, pour moi prendre encore classe. Est-ce que la hein? Levin dit classe. Good morning, say. Hein, ça, bonjour, monsieur. Is there a hotel in this neighborhood? Est-ce qu'il y a un hôtel dans le quartier? Li di, no, there isn't. Let's do there isn't. Là, c'est comme si do there is not. Là, on a utilisé forme contractée. No, there is not. Li di, no, pas gagné. Ok? Kouna ki so dil? Ou dil, thank you. Voilà li même qui sage tout. Comment on va répondre aux classes? Ni pas du de rien. En français, on dit de rien. Ok? Li capable du classe. Il y a plusieurs façons de dire de rien en anglais. Li capable du you are welcome. Est-ce la classe? Ça c'est une façon. Li du de rien. Ok? Li capable du to no problem. Est-ce la classe? Li capable du no problem, qui c'est de rien encore. Li capable du class, don't mention it. Li capable du don't mention it. Est-ce là? Hein? Tout ça c'est façon bien quoi class, vous paquet oui. Pourquoi c'est langue qui belle ça class c'est anglais. Hein? Mes amis, on partage, on fait arriver 100 monde mes amis, un bel coup anglais comme ça, hein. Un bel coup anglais qu'a fait chaque jour comme ça mes amis, on fait arriver 100 non. Let's share. Thank you very much. My son says I'm doing a very good job. Thank you my friend. All right. Okay? Qui ça me dit la class? Me dit you are welcome. Me dit merci, okay? Plus que me dit thank you, moi dit merci. Li di you are welcome. Li di de rien. Est-ce la classe? Ou bien di no problem. Li tourne di de rien. Ou bien di classe don't mention it. Li tourne di encore de rien. Ou bien di classe never mention it. Never mention it my friend. You see class? Eh? Never mention it my friend. Tout ça encore di de rien. Est-ce la class? N'importe chan ouè moun nan pren sa ou la, li di ou de rien. C'est là, hein? Qui lè map vin gen rapport avec la, avec ti bloc sa, c'est lè moun nan di non pa genye. C'est là, hein? Kounya nou pral pren un exemple, kote genye, so mande moun nan. C'est là, hein, glas? Hein? Kote ke ou mande moun nan, pour adresse là, gagner adresse là, ok? Pas oublier glas, bel coup anglais sa, avec teacher Malbrin Chondrière, chaque lesa, en direct, live, où tu vas apprendre bon anglais, bon bagay, avec belle grammaire, belle technique pour parler pendant chita la caillou, sans trop de difficultés. Nous pas seulement bon vocabulaire, faut répéter, nous avons des exemples qui va le permettre ou comprendre. Je vais faire, ouais. Est-ce que ça nous fait là? Nous montrons comment there is ready, il y a. Nous montrons comment pour utiliser tout leur demande information de nos adresses. Est-ce que la classe? Nous disons qu'à bon gas station, ou qu'à bon post office, ou qu'à bon library, ou qu'à bon supermarket, ou qu'à bon video store, ou qu'à bon movie theater, ou qu'à bon police station. Ce sont des endroits, classe, ou qu'à pas utiliser endroit ça, yo, pour demander information de yo l'arrivée dans la ville. Est-ce que la classe? Qui ça nous dit la classe? Là où moun nan di non pa gagnen. OK? Kounya nou pral pran un exemple. Kote ke gagnen ça ou mande moun nan information de li a. Est-ce que la classe? Prépare, on allait m'pral pran un exemple kote ke sa mande moun nan information de li a, gagnen on partager mes amis, partager, passer abonner à page là, suivre page là pour qu'a suivre bel coup anglais ça qui fait du lundi au vendredi. Avec Teacher Malbrin Chondrière, yon bel coup anglais nous fait pratique en direct tout ça. Hein? Est-ce là? Hein? Suivez-vous, elle a fait belle pratique pour participer avec nous. On a le deuxième exemple. Là, nous te dit pas rien.
OK? Il demande information pour yo hôtel, pas gagné hôtel, OK? Mon a dit dire thank you parce que il dit pas gagné. Et puis il dit you welcome, de rien. Ou bien il dit no problem, de rien. Ou bien il dit don't mention it, de rien. Ou bien il dit never mention it, de rien. Kounya nou pral pran yon lot exemple an kote ki genyen sa moun nan mande, ok? Let's go, class. Ma pran menm teknik sa anko, class. Excuse me. Excuse me. Excuse me, madam. Wè, class, excuse me, missus. Is there a library, for example, where is there a library in this neighborhood? Abi, you can't see no villa too. That's all right. In the city, that's all right, class. You can't see no villa too. Okay, in this neighborhood. Okay, that's all right. Kuna nou pral wè genyen bagay la, so la, nou pral chwazi kote ki genyen. I did not hear the pronunciation of, okay, neighborhood, okay, neighborhood, so la, sa se prononce kom hood, like this. Hood, ouè, hood, e pa hood no, ouè, neighborhood, ouè, Kouna si mwen ti hood la, lè sa m'a pale de vrazin. Ouais, m'a pale de vrazin, vrazin. Si m di neighbor, m kanpe la, si m kanpe nan zon sa la. Ouais, lè sa m pale de vrazin, OK? Men, lè m di neighbor hood, lè sa pale de quartier, vrazinage la, OK? Lè di pale de zone nan. Est-ce nou la class? OK, lè sa pale de zone nan. An partage mes amis, an partage, hein. OK? Est-ce nou la? Kouna nou pale répond positivement, hein, an ale. Nous allons partir positif là. Est-ce que vous l'avez? Excuse me, missus. OK? Is there a library? Library, c'est une bibliothèque ou là? Is there a library in this neighborhood? Excusez, madame. Pablo, vous saluez la fin. Good morning, good afternoon, good evening. Est-ce que vous l'avez? Tenez, vous l'avez prononcé. M'a dit good là. Même dit good. Ouais, good morning. Good afternoon, good evening, good, all right? Good morning, good afternoon. Excuse me, missus. Is there a library in this neighborhood? Est-ce que vous avez une bibliothèque dans le quartier? Là, vous avez dit oui, Gail. On a le glace. Vous dites yes. Yes, there is. C'est ça, hein? Si m dil yes there is la, m boko nan thank you, m boko nan you are welcome, m ba nan no problem, m ba nan don't mention it. Ok, so my class, is there a library in... Thank you very much. Non se bo sa nou fè, nou fè sa nap fè a nou konen, nou fè l'bi, mes amis, merci beaucoup, hein. Ok, nou pren tan nou, thank you, ouais. Wapwe etudiom yo vraiment senti yo a l'aise la. Parce que là, on a expliqué, nous prenons tant nous pour nous bailler ça dans la baille, ok? Et comme si vous étiez dans la classe là, on reprend, va y avoir ce problème, vine enjoy you live, chaque lesson avec, si tu es mal brochon d'hier, abonnez à la page là, immédiatement live, vous jouez une notification, hein? Bah, vous suivez quoi, hein? Is there a library in this neighborhood? Est-ce que y a une bibliothèque dans le quartier, hein? Yes, there is. Oui, gagné. Ouais? Là, les dîmes, oui, gagné. Est-ce qu'elle dit m'côté lié classe? Non. Plus qu'elle pas dit m'côté lié, m'pral poser une autre question. Qu'est-ce que ça m'a dit la classe? Where is it? Where is it, please? Ouais, where is it, please, pour sagesse? Est-ce que la classe? Where is it, please? Qui côté lié, s'il vous plaît? Est-ce que la classe? Where is it, please? Qui côté lié, s'il vous plaît? Est-ce que la Kounya la,
Moun nan pral bon kote liye, si l'intelligent li getan wè se konon pa konen, la ba ou zon kote liye avèk de referans. Lò ap bay referans yo, ki sa ou itilize an anglè klas? Ou itilize net to, ki se pre de, ou itilize across from, ki se en fas de, ou itilize between, ki se entre ou bien au milieu de, ou itilize around the corner from, ki signifi au coin de, ou bien di aux alentours, ou bien di sous côté. Est-ce que l'anglais sous côté tel business? Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là, do you have a channel YouTube? Yes, my friend. Mon channel YouTube qui gagne un pile bel coup anglais sous lui, qui c'est même nous à page là, qui c'est Teacher Malebranche on the air. Ma pini, ok? Ma pini, ou pas même besoin de faire un pile travail, est-ce que là? Bel channel avec un pile bel anglais qui c'est Teacher Malebranche on the air. Ma pini pour nous kawe. Laissez là, hein? Quand la qui ça dit là, where is it? Il dit, qui compte lié, s'il vous plaît? Est-ce que là, hein, glace? Immédiatement, il dit, where is it? Qui compte lié, s'il vous plaît? Qui ça m'a fait la glace? Ma dit, mais compte lié. Et puis, m'a fait une référence, ça yo. Est-ce que là, hein, glace? M'a dit, ça yo, ce sont des références, hein? On allait, hein, m'a bon exemple, hein, référence. Ok? M'a bon exemple. Bon, moi, exemple, référence. Mouna, qui ça m'a fait glace? M'a dit la glace. Mouna, bon, a dit, it is. Ouais, it is. Mouna, immédiatement, m'a dit, it is. La bon adresse côté lié, par exemple. It is, par exemple, on your street. Ouais, it is on your street. M'a dit, m'a dit, Joe. Si il dit, m'a dit, Joe, là, la game dans la courinette. Est-ce que l'anglais, glace? Mouna, because it is on your street, lino with you, and in between, that's all I'm glass, and in between, la la, l'album j'en situé, hein, l'album yon référence là, that's all I'm, and in between the hotel and, wait, between the hotel and the laundry. Wè sa di mla glas? Li di between the hotel and the laundry. Wè, la li ban mwen, yon referans ki pral fasilite m pou m pa pèdi zon nan. E so la, hein? Oske m ap sou jel te di, ok, li situe ant hotel la e laundry a. Laundry a se kote wal peye, e pi yo la ve radou bien clean pou ou. E so la, hein, nan peyi blan. Ou comprenne? Ou pa gen tan pou fè lesivou, ou just ale avèk kò bou nan men ou, ok? Ou peye, e pi yo la ve, yo ele laundromat. E so la, hein? Yo ele li laundromat. E so, hein? Kouna li di, it is on Joe Street, in a region. Mbe itilize sa yo pou mbay referans kote liye a exact. E so la, hein? Ou la? Mbe itilize yo pou mbay referans kote liye a. E pi, mbay jan situye a. Si se tout pre, mdi next to. Si se en face tel business, mdi across from. Si se entre, sa ve di li situye entre de lot business, mdi between. Si si tu es au coin ou bien aux alentours dans l'autre business, dit around the corner from. Et so là, hein? Kouna sa m'fè là, dit it is on Joe Street between the hotel and the laundry. Ça veut dire, li situé entre deux sa yo. Et so là, hein? Kouna lè m'y venan ria, m'a cherché côté hotel là et laundry a yé. Et so là, hein? Immédiatement m'jouen côté hotel là et laundry a yé. Ndi a bon, la mwen jwenn adres m'ap chèche ya, eske nou la? Eske nou la klas? Oske m vlo konprann ni byen, m pral bon ekzanp toujou, ok? Oske m reme lè m konprann ni byen, ok? M pral bon ekzanp toujou, paske chapit sa li pa mande pou kouri avèl an anglè, se yo chapit ki pèmèt ou pale, e lò y vont kote, ou pose kesyon san okè pwoblèm, mè zanmi, live sa ta supose Gitan dépassé sans monde, OK? On nous partager. Yon bel travail comme ça. Thank you Nicolas. OK? You welcome Nicolas. Thank you very much. OK? Yon bel travail comme ça mes amis. Hein? Li ta supposé gitan loin. Est-ce que nous là, li ta supposé gitan loin glace? Un bel channel comme ça, hein?
Ok, my friend. Zami mio, m'pin channel YouTube là, m'pin channel YouTube là pour nous. Ou ka passe sou li ou al gade an pil bel kou ki fèt, ou kopren mi an pil étudiant ki ap amuse yo sou li. Se la tou mbay an pil bel teknik an anglè, ok? De teknik ki kapab permet ou pale anglè bien, ok? E la mbay teknik prononciation. Se la mwen bay an pil bel ti diferans ki existe an anglè, alright? Mes zami, 72 moun da, si chak moun, alright? Si chak moun te di te... Te ba yon 10 chèr, la pou sa nou n'importe 120, 150 mounou. Le chèr le as, pa bliye du lundi au vendredi. Avec teacher Malbo Chondier, nou al essuyer sa yon pou nou ba yon l'autre exemple. Parce que m vlo comprenne pati sa bien. Entre there is there plus location, ok? There is plus location. Le nou parle de location, nou parle de endroit, ok? Nou parle de endroit, ok? Bon, monsieur, pou nou ba yon l'autre exemple kon le as. Et puis... De monsieur je venais faire des exercices sous lui. OK? Exercice c'est pas moi qui fais yo, c'est ou même pendant on regarde live là. M'a faut un exercice et puis on résoudre avec, OK? Faut là demain pour capable de me faire exercice ou même qui t'en suivre quoi bien. Vous va aider me faire exercice ça en live, OK? Ou va faire un commentaire avec. On a les classes. On va l'autre exemple parce que me comprendre bien. Là n'a fait exercice de monsieur je veux pour nous capable gagner trois difficultés pour comprendre, OK? On a les. On a les glaces. On a les toujours, hein. M'dis qui premier bagay ou al fè glas. Moun nan a besoin yon adresse sa ou, par exemple. Hein, par exemple, gas station, post office, library, supermarket, video store, movie store, movie theater, ok? Moun nan a besoin yon adresse sa yo, ok? On a les, bon, cher. Let's share. Chaque moun bon mouti cher. Là, vous s'en dépasser 100, mes amis, hein. On casse va hier ça, une question ça, on décrasse va hier ça. On a les glaces. Dis par exemple, si pas connait mon nom mes amis, m'a demandé une formation, gros paquet mon qui pas connait. Li wè mon nom, di mon nom WhatsApp. No. OK? WhatsApp. No, pas ou ka wè yon moun première fois pour demander une formation pour di mon nom WhatsApp. No, class, OK? Si son petit bredje ou bien petit ba ou ka di WhatsApp. Mais ou pas capable de donner mon information, beaucoup ils disent mon WhatsApp ou bien beaucoup ils disent mon what's going on. C'est sur la glace, OK? Faut saluer ou saluer mon nom de façon formelle, OK glace? C'est sur la. Nous pas courir à WhatsApp, ça de façon saluer petit jeune pareil ou zami ou c'est sur la. C'est sur la glace. Ou après une vidéo ça sur YouTube, pour demander technique plusieurs types de salutation, gagne un café un zami ou gagne un pas café n'importe mon, c'est sur la glace. Kone a, mais même façon me dit, gadi mon good afternoon. Good afternoon. Aso la anglais, c'est good afternoon say. Good afternoon say, OK? Bon si me le faire intéressant encore clair, me ka dit good afternoon say. Excuse me for disturbing you. Excuse me parce que m'a dérangé. Aso la anglais. Aso la. Si me pas just dit excuse me. Si m'a vle seulement dit excuse me, say, est-ce là, hein? Excuse me, si m'a vle dit excuse me, m'excusez, et puis m'a fou l'autre chèlbe encore, est-ce là, hein? M'a dit good afternoon, say, excuse me for disturbing you, excusez parce que m'a dérangé, ouais, for this turbin you. Est-ce que nous est bien clair? C'est ça là, hein? C'est bien, parce que m'vlo parler, ou bien utiliser. C'est ça là, hein? Good afternoon, say. Excuse me for disturbing you. C'est ça là, hein? Ou dis salut, ou bon, si monsieur jeune gens, nous connaissons ça bien. C'est ça là, hein? Là, quand on demoiselle là, ou toujours utiliser ça, ou dis, excusez, si ça peut déranger, ou quand même deux minutes, est-ce que la glace, hein? J'ai dit, vous savez, essayez de même, ou dis, excuse me, for disturbing you. Excusez-moi parce que me déranger, est-ce que la glace? Excuse me for disturbing you. Excusez-moi parce que me déranger. Is there, oh, cela, mal pour question, vous n'y avez cela. Et vous me dit, is there, exactly. Is there a... Est-ce que l'anglais a... C'est pas bon n'importe là, hein? Is there a video store? Ou bon n'importe adresse, n'importe ça au besoin, est-ce que l'anglais?
Is there a video store in the city? Esola, what kind of ville là tu glass? Esola, let me tell you name a good dollar. Let's have a little bit of this zone, no? Okay? Let me know say neighbor. Well, let me tell you neighbor. Nous parlons de français. My neighbors are very noisy. Well, my neighbors are very noisy. Dit mes voisins sont très scandaleux. Est-ce là les glaces, ouais? Là c'est voisin, ouais. Mes voisins sont très scandaleux, ouais. Mes voisins sont vraiment scandaleux. Voisins, c'est le monde qui aime faire bruit, ouais. My neighbors are very noisy. OK? No! My neighbors are quiet. Est-ce là? No, my neighbors are quiet. Dit non, voisins, c'est des monde tranquille et papa, monde calme, OK? That's what I wear neighbors. Kounya, si mwen tiye estala m'ajoute hood. M'ajoute hood, la l've di voisinage quartier. That's what I wear glass. Lesa m'a parlé de voisinage ou bien quartier. On fait livrer sans mes amis. Share the like, share please. Hein? On fait livrer sans, hein? Mou comme travail, on n'a pas tout ce travail là. Le share, ok? Chaque moun, si chaque moun n'a te bay au moun di share, le voisin livrer dans son nom. Tous mes amis, ok? Share glass, hein? Mes amis, bagay ki bon, de pou rive sou internet la, pa kite moun nan ki di partager. Tout la gèl non lòt group, la gèl e sou la, hein? Parce que c'est ça ki bon yo ra. E sou la, hein? Yo ra sou internet la, ou konprann? Ou apre gen moun pou fè moun gade, li pito pa et kòl kòtouni, li pito pa et nèpòt chan pou moun ka gade. Ou bien kreye yon zè. E sou la. Mais ça c'est bay sérye ka fèt, de pou monte tout partager. E sou la, hein? My neighbors are very noisy. Well, zami ki te di prononciation sa se neighbors. Neighbors, okay? E pa neighbors, se neighbors. Well, my neighbors are very noisy. Okay? Noisy. Okay? E so la, eh? Si ke moun ki te se pou anglais live tou, my problem no. Kadu yo kontakte m pou anglais live. Nan 4 mois, 3 mois, m'fò sezi well, ok? My neighbors are very noisy, ok? Ese la, ese o exam da moun tou, lè nou di neighbor e neighborhood. On a le glas. Di si m ap fè Shelbert, ok? Pou montre moun nan, m'son moun ki trè saj poli, ok? Good afternoon, sir. Excuse me for disturbing you. Excuse me parce que m dérange ou. Is there a video store in the city? Est-ce qu'il y a un video store dans quartier? Est-ce que la glace? Kounda ki jan moun pa répondre, ti moun ka répondre deux façons, soit di oui gagnen ou bien di non pa gagnen, OK? Kounda ki sa pral di la glace? Li vin la par exemple di yes. There is. OK? Li di yes, there is. Li di oui genye, ok? Kounda plus que l'ba di m sa genye ki kote liye, eh bien m'ap fon l'autre question m'ap di, where is it, please? Where is it, please? Ki kote liye, s'il vous plaît? Where is it, please? Ki kote liye, s'il vous plaît? Est-ce que l'on a glace? Kounda ki sa moun apal fe glace? Where is it, please? Li pral bon mwen kote liye ya, an utilizan klas de referans. Pendant pral utilize referans pou l'dim ki kote liye. So la, eh? So an utilize next to, ki signifi pre de, close across from, pa bliye ye, nou te bayon bel, ou menm ki pat la ye, zan fe m kose yo suiv kousa pa rate, bel bagay net. Nou te bayon diferans ki egziste entre next to, ki signifi pre de, et puis close to qui signifie aussi près de hein? Ou pas qu'à utiliser au jongle. Est-ce que nous la classe? Est-ce que là hein? Combien monde qui t'a même faut-il toucher ça pour eux avec near también qui signifie près de. Est-ce que là classe ou bien dit beside. Est-ce que là classe combien monde qui t'a même faut-il toucher ça pour eux hein? How can I pronounce disturbing? This disturbing you, okay?
disturb. Verb là c'est to disturb qui c'est déranger. To disturb. To disturb like this, okay? To disturb, okay? Hein? Si y a moun ki pat la ki ta même fait différence pour entre tout ça qui vle di près de, okay? Yo vle di près de. Près de. Est-ce là? Hein? Yo vle di près de. On a les glaces, okay? Si y a moun, on a les. Si y a moun ki vle m'a ti différence ça, rapidement, fais lui vessant, hein? Fais lui vessant, on a les. Fais lui vessant rapidement. Ma bon différence qu'elle disait entre next to, avec near et puis close to avec beside. Tout ça au glace, utilisez la parole de près de. Mais on allait, fais-le vivre ça, hein. On allait, hein. On allait, hein. On allait, on allait. Oh, I'm sorry, hein. Ok? Nous allons dire next to, en anglais glace, il suffit près de. Ma baoule, parce qu'on travaille, il y a un peu de monde qui est en fait travail par yoa, yo cher. Ok, ma besoin de c'est 100 moun pour arriver pour m'bao. No, I'm not like this. Ok, m'ba comme ça, hein, ma besoin de. Ok, non, ça va dire pour partager le tout, non, partager le, mais ma besoin c'est ça pour faire arriver. Mais, am faire arriver 100, hein, pour m'ka bien détaillé, bao. Très rapidement. Let's do next to, qui signifie près de. C'est que de ça m'a parlé de li au class. Je suis bien, hein, pas oublier pour ça, c'est du lundi au vendredi. Non, même de ça, avec teacher Malebranche on the air. Si m'di next to, ça m'a parlé de yo class. Par exemple, m'di I live next to the, okay? I live next to the school. I live next to the school. Ouè class, là m'di, m'a vive tout près l'école là. Okay? Regardez bien. Puisque m'di next to the school là, class, l'école là m'a parlé de li en classe, li kon sa avec la kay mwen. Est-ce que là je suis bien? Li kon sa avec la kay mwen. Ça c'est l'école là par exemple. School, ok? Et puis ça c'est kay mwen. Et puis m'di a house. Est-ce que là en classe? Est-ce que comment yon yon? Est-ce que là yon gade bien classe? Yes, alright, thank you. Alright, go ahead. Alright, ok? That means yes, okay. I live next to the school. Si m'di la, I live next to the school, class, qui s'akrive? Kay mwen an l'école la, yo tout kolé, yo tout près, kolé, yon so la, hein? Et près de, ouais, next to, ouais, de image m'di ou? Ça, par exemple, ça c'est l'école la, ça c'est kay mwen. I live next to the school. Et so la, hein, class? Ça veut dire près ça, let me see, c'est next to, de ça m'a parlé de yo, côte à côte comme ça, yo tout collé. Est-ce que là en anglais? Let me utilize next to, yo tout collé. OK? Ou gétant là. Bon bon deuxième exemple là, kounya. Kounya class, si moi utilise close to, OK? Et puis m'vin là m'di, suis bien en anglais. M'a prend même phrase ça pour ka comprendre. Et puis m'di I live close to the school. Ouais, class, moi même fois ça, hein, qui va permettre de comprendre ni plus bien, ok? Immédiatement, me dit là, I live next to the school. Quand moi avec l'école là, tout collé, c'est ouais, ouais, mais quand là, mais l'école là, est-ce que nous avons une image là? Oui, non, let me dit, I live close to the school. Let me utilize close to, yo près, mais il y a une certaine distance. Est-ce que là, class? Là, il y a une distance qui existe. C'est vrai, il y a près, mais il y a capable à 10-15 minutes de distance. Est-ce qu'on l'a classe? Est-ce qu'on l'a? Kounya, qui ça qui vient là? Je vais présenter par image. Kounya, mais ça qui vient là? Je dis ça. Ouais. Je dis ça, c'est la caille, moi. Je dis house. Est-ce qu'on l'a? Et puis, je viens là. Je dis ça, c'est l'école là. School. Est-ce que nous avons une différence dans la classe, hein? Est-ce que nous avons une différence là, hein? Si nous avons une différence là, vous dites yes en l'air, vous dites yes pour moi. Là, je dis close to. De ça, je dis qui près, yo. Yo, censé tout coller. Là, je dis next to. De ça, je parle de yo qui près, yo, tout coller. Là, je dis close
True. De sam pale de yo yo, gen yon certaine distance, ok? Gen yon distance de 10-15 minutes ki separe yo. Est-ce la, eh? Est-ce la kote house la la, et puis kote school la yon? La yon bel distance. Est-ce que nous la règle as pour close to, qui signifie près de? Let me la next to aussi signifie près de. Mais let me di next to, sam pale de yo yo, yo tout près. Est-ce la jan image la présente ya, hein? Est-ce que nous comprenons? Si vous comprenez bien si vous anglais, ça a bien des tailles comme ça pour vous, hein? Voyons un petit thumbs up, un petit yes, ok? Alright, thank you very much. Happy to see. Exact, happy to see you sending me thumbs up like this. Thank you very much, Yolande. Ok, check. Sherika, thank you. Alright, thank you. Don't forget, Léas, it's from Monday to Friday, ok? Always come to enjoy with me live, ok? Toujours vin amuser avec nous dans bel coup anglais ça, que nous fait live, ok? De me si j'aime qui ça n'a fait, nous a détaillé yon exercice, ma présente au exercice là, et puis ou même, ou après de me faire exercice là live, ok? Mais d'après, c'est ça pour le faire moi, est-ce que tu comprends? Et comme ça nous fait coup anglais à nous même. Nous fait chapitre là, nous détaillons là haut, et puis, lendemain, nous présentons un bel exercice qui est bien détaillé. Et puis, nous allons même aider nous à résoudre l'exercice là. Thank you, Tima. Woni Lois, my friend. How you doing? You're fine? Quoi, Naglias? On apprend near. On apprend near. Ok, Glias? Near avec close to, you're égal. Est-ce que vous Glias? Near avec close to, you're égal. Si m'di I live near the school, c'est que gen yon distance. Ouais, near. Ouais, m'tou fèche le bout. Est-ce que la anglais? Et puis next to, avec beside, signifie même. Parce que beside signifie à côté de. Est-ce que la anglais? Beside signifie à côté de. Plus que beside signifie à côté de, eh bien, nous dit, là, nous dit next to. Next to signifie près de. Dans le sens d'à côté de. Ça veut dire une à côté de l'autre. Est-ce que la glace, hein? Do you understand? Do you understand well? Do you understand well? Hein? Do you understand me well? Est-ce que vous comprenez moi bien? Ok? Est-ce que vous comprenez moi bien? De me suivre, moi, je veux tout le monde motivé pour faire exercice. Chaque killer, exact. Depends on where you are following the class, ok? Pour assez 8h, 9h, ok? Si c'est à étudier, il y a pas 7h. Ok, Glias? Every day, afternoon, ok? Ok, let's go, Glias. Est-ce que nous là, hein? Let me see, close to, l'égal à near. Quand il y a eu mon commandement, où tu es là, il me dit même tout près là, ok? Laisse ça, si me dit même tout près là, je vais dire I am nearby. Est-ce que nous là, hein? Nearby. Nearby signifie tout près. Par exemple, j'aurais nous d'abord information ça là. On va rencontrer au monde. On dit est-ce que restaurant tout près là? Est-ce que là Glass? Pour me dire monde est-ce que gagne un restaurant tout près là? Qui ça m'a fait en suit bien? On me dit est-ce que gagne un restaurant tout près? Pas besoin faire trop cher ben. On va poser une question très simple Glass. Et puis me dit is there a restaurant? Is there a restaurant nearby? So, Andreas, is there a restaurant nearby? Well, you don't have to complicate. You don't complicate English, no. So, lah. You don't complicate the top. So, eh. You say, "Est-ce que vous êtes tout près là?" Is there a restaurant nearby? Nearby, qui signifie tout près. Et pas près de, non. So, lah. Next to, c'est près de. Close to, près de. Near, près de. Nearby, tout près. Est-ce que là, Andreas? Tout près. Est-ce que nous là? Dielon Benzor. Oh, Dielon say very good. Thank you, my friend. Est-ce que l'Ipaka, I am next to you. Next to you, près de, ok? Exact. De vous comprendre différent ça. Ou a get a couple qui la white is the next to. Est-ce que là, hein? Ou a get a white is the next to. Ok? Et là, it is the close
close to, ok? Next to, c'est que deux soit parler de très proche comme ça, ok? Une à côté de l'autre, ouais. Mais là, utiliser close to, gagne une certaine distance, c'est ça seulement que je connais. Kounya, let me utiliser next to, ou bien close to, nous avons parlé de distance là. Kounya, si moi en face tableau à la classe, m'a besoin de dire par exemple, I am in front of the boy. Est-ce que là, hein? M'a besoin de dire, I am across from the boy. Parce que là, m'utilise across from, qui c'est en face de, c'est que gen ou la, li qui n'a mi temps. Est-ce que nous là, suis bien, oui? Parce que là, mon anglais avec bon grammaire, ou là, si m'a dit across from, qui signifie en face de, là, ça, deux, ça m'a parlé de yo, yo. You know bolari ya, you know bolari. Par exemple, on lari qui n'a mi temps, l'autre, déposition face à face. Est-ce que là, hein? Là, ça, m'a utilisé across from. Attendez bien, oui? Est-ce que là, hein? Si tu classes, my school is across from the library. C'est que l'école moyen en face librairie, hein? Donc là, lui qui n'a mis temps. Est-ce que là, hein? Qu'on y a immédiatement moyen en face yon bagay. Pas de la rue qui sépare, yo. Ok? Ouais, nous presque faire livrer ça, hein? Nous pouvons cacasser. Ah, very good, very good, very good. Alright, that's good. Good job, good job, good job, good job, good job. Congratulations, ok? Congratulations. Ouais? Suis bien. Ouais? J'en ai un anglais ça là. Pas d'accord, je vais faire livrer ça. Ok? Let me know my across from. Tenez bien. Parce que let me utilise in front of. In front of aussi, vous le dites en face de. C'est ça là, hein? In front of qui s'écrit comme ça, hein? Let me show you. Bon, montrer, parce que je veux comprendre. Je veux faire bien. Faut pas utiliser droite et gauche, ok? In front of. Est-ce que là, hein? Ouais, ça qui là, c'est in front of. L'aime dit in front of, lui veut dire en face de aussi. L'aime dit across from, lui veut dire en face de. Kounya, quelle différence qui existe entre ces deux choses-là en anglais classe? Merci, 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 merci. L'aime dit across from qui c'est en face de. Laisse ça, deux bagailles m'a parlé de yo-yo. Gagne yo la rue qui sépare yo. Yo face en face. Est-ce que nous l'a bien? Est-ce que nous l'a? All right, thank you. All right, congrats. Thank you very much, Elliot. Est-ce que nous l'a? Ouais, ça c'est des monde qui tellement aimé cours anglais ça, qui pas voulait rater même pour une seconde. Mon nous cap voyer petit frère, cap voyer petit bail tant que ouais yo land yo là. C'est des monde qui tellement ouais qu'on a bien expliqué, hein? Mais dit, il est pas facile pour jeune ici cap bon cours en détail comme ça vrai. Sans pas toucher directement la main. Ouais, c'est là, hein? Across from, let me utiliser across from, c'est le de ça m'a parlé de yo-yo, guillon la, rien qui sépare, mes amis, poussez, poussez, poussez. De pour monter, tout partager, bagay sérieux ça, hein? C'est le mien, de ça m'a parlé de yo-yo, face à face, c'est vrai, mais guillon la, rien qui sépare, yo. Est-ce que nous là, hein? Par exemple, si me dit, l'école là, en face, l'église là, ça veut dire yo face à face, gen on la rue dans mitan, OK? M'aime sorti bon l'église là, m'jambe la rue mal dans l'école là. Est-ce que nous là? Laisse ça m'a utilisé across from. Good. Est-ce que nous là hein? Laisse ça m'a utilisé across from. Quand les 146 moun ki là, partagez. Oh, you are very happy tonight. Exact my friend. Exact. Moi quand belle bagaille comme ça fait, ton belle con anglais bien fait comme ça hein. Live encore oui. Sans stressant, hein, cap bien détaillé le bas où. Faut rouler, ça fait, hein. Faut jouer de monde qui a poussé le travail là, man. Ok? Pas oublier, nous, qu'a toujours passé sur channel YouTube là, qui c'est, si tu es mal brochon bien, même pile ni là, n'a pas joué un pile bel coup anglais sous lui. Ok? Ou qu'a intéressé avec un groupe WhatsApp, nous gagne tout. C'est pas pour monde qui m'a levé, c'est pour monde qui voulait pratiquer anglais. Après quoi, voyez un message avec numéro ou sous page là. N'entrez dans le groupe là, mais c'est monde qui, sérieux, 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 sérieux. Merci Jimmy. On va se nous bon bagnet. OK, pas de problème monsieur. OK, l'essentiel m'a poussé hein. OK, est-ce que nous la classe? Ni l'aimer across from, c'est en face de. Là ça m'a parlé de un bagage qui entre. Gion là, lui qui sépare, est-ce là? En pour exemple là. Là, mon bordeaux là, mon petit bordeaux, qui ça mis là? Moi en face tableau là, pas vrai là. Si mon face tableau là, est-ce que nous la rue qui sépare là? Non! Pas de la rue qui sépare. Est-ce que nous la rue là? Suis bien, oui? Là, je dis moi en face tableau là, mais pas de la rue qui sépare. Plus que pas de la rue qui sépare, je dis I am across from the board. Non!
now. My glass ain't in front of the board. Do you understand? Yeah, do you understand? Mardi, I am in front of the boy. Mardi, moi en face tableau. Ok? Moi en face tableau là, pas de un ex séparé nous. Si m'vle là, m'kole à tableau, so la glace. Mais là, m'y across from, qui c'est en face de. Ça aussi, là, m'a bay adresse. Et puis, m'a parlé de ça, m'a parlé yo. Yo, yon en face l'autre, gen yon la, li qui séparé. Est-ce que nous la glace? Est-ce qu'on la? Hmm? Est-ce qu'on la? Can you see me your phone number? Now, what you have to do after class? Après quoi? Montez sur page là. Abonnez à page là et puis tout voyez un message bon moi. Ok? Ou après vous numéro sur page là tout. Montez sur page là. Voyez un message sur lui avec nous. Et puis n'importe où dans le groupe là. Ok? C'est pour éviter des autres qui font pas tout mettre les là. Parce que c'est avec des gens qui veulent pratiquer. Qui veulent travailler. Parce que nous voulons un groupe sérieux. Côté mon a fait des discussions en anglais sans aucun problème. Ok? Non, respect yon pour l'autre parce que c'est affaire anglais. Seulement nous régler sous lui, vous comprenez? Depuis mon envie, il envoie les photos, il envoie l'autre bagaille qui bagaille pour l'autre bagaille. Nous bloquer pour éviter. Parlez en pile, hein? Parce que c'est un bagaille sérieux qui a fait. Yon langue commercial, yon langue quand on arrive dans le monde là, c'est lui qui a permis de communiquer à moun. Nous pas qu'à jouer avec. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que tout le monde met une différence là, hein? Je dis, là, across from, c'est les deux business qui ont parlé de yo, yo face à face, de la rue qui sépare, ok? Là, je parle de in front of, qui est en face de, là, ça, pas de la rue qui sépare, yo, yo en face l'autre, ok? Bien, ok, glace? Nous dis, là, glace, nous, t'as parlé de there is and they are. Nous parlons de toucher they are, mais nous détaillons there is, bah, où, qui c'est pour singulier, parce que tout endroit, ça, ouais, nous utilisons là, nous utilisons yo. Au singulier, ok? L'air utilisé au pluriel, il y a bien S. Nous étions dans singulier, n'a pas détaillé en là ou l'autre, mais en attendant, on a fait un exercice de messieurs de vœux qui a facilité ou puis bien comprendre. Pas oublier de messieurs de vœux, venez suivre quoi? Il y a un très bel cours anglais qui fait live du lundi au vendredi avec un monde qui compte ça l'affaire, qui a facilité ou comprendre et comme soutenir notre classe là même, ok? On a réglé à s'entendre dans there is, nous dit there is. Plus location. Location non c'est un endroit. Ok? Là, il y a un endroit, il y a gas station, il y a librairie, il y a market, il y a hôtel, il y a l'église, il y a l'école. Je dis pour me poser une question qui est avec ça, yo. Si je vais dans un pays par exemple, je vais sur place là, et puis, je vais acheter un restaurant pour manger. Ok? Kounia, qui ça m'a fait d'abord? Je salue les gens. Est-ce que la règle est à mon information? Di good morning, good morning, ok? Lem di good morning, c'est sorti dans 6h du matin jusqu'à midi. Est-ce que là, hein? Lem di good morning, c'est sorti de 6h du matin jusqu'à midi, ok? Depuis maintenant midi à 6h, m'a utilisé good afternoon. C'est bien, et bête cap tombe là, et papa, et blague cap fait là, non? Est-ce que là, hein? Hein? Si vous voulez, vous pouvez vous dire si c'est menti. Si vous pas vu suivre vos belles anglais comme ça. Qui sont prêts à suivre. Est-ce que là, hein? Let me dire good afternoon. Je de midi à 6h. Let me dire good evening. Let me dire good evening. Je suis de 6h après-midi jusqu'à minuit. Ok? Pour qui ça c'est jusqu'à minuit? Parce que let me dire good night. Supposez tout entrer dans la chambre mal couché pour me dormir. Good night, tout souhaite mon nom dit mon cher, m'bade yon encore non, kabon même pour la mal dormi, est-ce que là, hein? Dis good evening, ouais? Good morning, 6h jusqu'à midi. Good afternoon, midi jusqu'à 6h. Good evening, 6h jusqu'à minuit, ok? Good night, m'dit good afternoon, sir. M'dit bonsoir, monsieur. Excuse me. For disturbing you, parce que me dérange ou, c'est camper ou pour me donner une information. Plus que me camper ou pour me donner une information, c'est que me dérange ou, ok? For disturbing you, excusez parce que me dérange ou. Is there a video store in the city? Est-ce qu'il y a un video store dans la ville là? Ok? Dis quoi, pas la réponse? La dit, yes, there is. Oui, gagné. Plus que dit moui gagné, qui ça m'a fait? M'a demandé qui côté lié. Where is it, please? Qui côté lié, s'il vous plaît? Ok, Kounia, il va dire, mais qui côté lié?
pendant bon adresse côté là la ban moi une référence référence à bail à partir de ça c'est next to qui c'est près de across from qui c'est en face de between qui c'est entre ou bien au milieu. OK, ça veut dire a bien trois bagages, ça m'a parlé de la flamme mi-temps. Around the corner from qui ça au coin. Ça veut dire ça m'a parlé de l'IA, il trouvait le pas sous côté l'autre là, etc. OK? Connait qui ça mis la classe. Déjà dit là where is it? Il dit where is it? Il dit where is it? Connait qui ça va dire it is on Peter Street. Exemple, et cela, it is on Peter Street, il a répété, quand il a dit qu'il a répété, il a bon une référence là pour m'aller dans le plus facile. Et puis il dit, par exemple, il dit across from, ou bien next to, ou bien between. Et puis il dit between. Between the hotel and. Where? Between the hotel and the. Clothing store. That's so, what I learned the clothing store. Et côté acheter vêtements, OK? Côté acheter vêtements mais tout. Ouais, ça dit là. Good afternoon, sir. Excuse me for disturbing you. Excusez parce que me dérange. Is there a video store in the city? Est-ce qu'il y a un video store dans ville là? Yes, there is. We gagne. Where is it, please? Qui côté lié s'il vous plaît? It is on Peter Street, you know, Peter, between the hotel and the clothing store. Li entre hotel là et clothing store là et shop côté au vendre là. C'est là hein. Ça c'est meilleure façon ou mon information de un endroit pendant une ville où ou nécessité acheter un bagage ou bien faire un bagage, OK, ou besoin à manger, ou besoin à hôtel, ou besoin aller là peut-être comme des toilettes. Vous comprenez? Ou besoin de visiter l'église, OK? Ou besoin d'aller au coup, c'est meilleure façon pour poser des questions en anglais, OK? Merci le fait de suivre bel coup ça qui fait du lundi au vendredi avec Teacher Malbranche on the air. Mes amis, moi puis YouTube là, sous senti travail ça m'a fait son bel travail qui pas payable, ouais, qui vraiment, on va les aussi pas payable, ça veut dire travail comme ça son travail qui coûte, voilà. Et puis on va toujours aider nos grandes familles là. On va passer sur YouTube là, OK, même pinni là. Album Multi Love encourager travail là. C'est ça là hein. C'est pas un canal qui fait pour grand merci pour blague, qui fait qu'on doit apprendre nos bagages là dedans ou là. Passer sur YouTube là, album un petit like, un petit subscribe, aider mes grandes familles là, vous comprendre. On t'a même fait live sur le tout, mais hélas, pas que j'aime qu'arriver même 500 moun voix pour 1000. Et c'est nous là hein. Ça veut dire que c'est vous-même pour que vous puissiez travailler là, mes amis. Passez à abonner, montez sur la page Facebook là. Invitez à mon like, nous avons plein d'amis sur Facebook. Ok? Montez sur la page Malbranche on the air là. Invitez à mes amis, voyez l'écran, par exemple, sur Messenger, sur WhatsApp. Dites qu'on a un bel coup anglais qui fait. Du lundi au vendredi, ok? Chaque après-midi, côté qui vraiment explicite, ou même si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez apprendre avec elle. Ok? Invitez à la page là, au like, ok? Invitez abonner avec chaîne YouTube là pour nous grandir famille là pourquoi qu'a toujours kebe jam, OK, parce que nous besoin des caméras côté que pour écrire ça yo belle devant, OK, pour pouvoir éclairer mais tout ça yo m'gétan fait quantité de dépenses de faire mes amis reste c'est même pour que de grandir page là avec YouTube là pour belle coup ça qu'a continuer fait parce que nous j'en pile belle félicitation, OK. Pourquoi pendant une heure de temps seulement, sans trop de difficultés, sans couper trop d'activités au gain sur internet là, one hour, OK, seulement une heure de temps, pas oublier passer sur YouTube là, bam love là, napwe tomorrow, demain à la même heure, OK. Thank you for following Malbranche on the air. It was a pleasure to be with you tonight. Hope to see you tomorrow at the same time. Thank you very much. Thank you. Thank you for sharing the live. Thank you because you really appreciate what I am doing now. Thank you. Bye.